بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من التمس رضا الله أي بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه الترمذي وأحمد في الزهد وابن حبان في صحيحه الإمام الألباني رحمة الله عليه لا الصحاح. Certains ont rapporté ce أثر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Certains ont rapporté عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Certains imams ils l'ont rapporté selon Aïcha à la rapportée du prophète عليه الصلاة والسلام أي un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. Et d'autres imams, ils l'ont rapporté mawqufan. Ils l'ont rapporté que c'était la parole de Aïcha, radiyallahu anha. Et c'est ça, sahih. Le sahih, c'est que ce athar, il est mawquf. C'est la parole de Aïcha, radiyallahu anha. Man iltamasa ridallah bi sakhati an-nas, radiyallahu anhu, wa arda anhu an-nas. Celui qui fait des efforts pour satisfaire Allah, subhanahu wa ta'ala. Même si les gens... ils ne sont pas d'accord. Même si les gens ils se mettent en colère, même si un tel ou un tel n'accepte pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il sera satisfait de toi. Wa arda anhu an-nas. Et les gens, ils finiront par être d'accord, par accepter. Bien sûr, les gens que Allah il a guidés, ceux qui veulent la vérité. Amma al-mujrim, al-kafir, ou al-munharif, al-dhal, hada rubbama il n'accepte pas et ça ne change rien, il se fait du mal qu'à lui. Lakin, si tu crains Allah et tu fais tout pour satisfaire Allah, Allah il acceptera de toi, il sera satisfait de toi, il te guidera, il te facilitera. Et les gens qui aiment la vérité, etc., ils accepteront. Même si au départ ils étaient réticents. وَمَنْ إِلْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Amma celui qui veut que les gens ils acceptent, que les gens ils soient satisfaits de lui, et malgré cela, il désobéit à Allah. Et il fait des choses qui mettent en colère Allah subhanahu wa ta'ala pour satisfaire les gens. Donc il est prêt à satisfaire les gens, même s'il désobéit à Allah, même si ça met Allah en colère, cette chose. Fahada, sakhit Allahu alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste cette façon de faire. Il déteste ce genre de personne. وأسخط عليه الناس إلى جن كذلك إلا تتستر. العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. dans الملخص شرح كتاب التوحيد. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى ستة أثر أو إلى ستة هو رحمه الله المرفوع المهم إلى ستة ce حديث dans كتاب التوحيد لأن ce Athar, cette parole de Aïcha radiallahu anha, il y a un lien direct avec At-Tawhid. C'est pour ça que Cheikhoul Islam, il a cité ce Athar dans le chapitre Fala taqavoum wa khavouni in kuntum mu'minin, dans le chapitre du Khawf. Parce que ce qui pousse certains à vouloir satisfaire les gens à tout prix, c'est leur peur. Ils ont un problème fi Al-Khawf, Al-Khawf, ibada pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est faible. Et ça les pousse à craindre les créatures, donc à tout faire pour les satisfaire. Même s'ils désobéissent à Allah Jalla wa'ala. Cheikh Al-Fawzan, donc dans Al-Mulakhas, Sharh Kitab Tawhid, قال وذلك أن الناس لقصور معرفتهم بالعواقب وغلبة المؤثرات عليهم قد تتعارض رغبتهم مع ما شرعه الله مما فيه صلاحهم عاجلا وآجلا. Vu que l'être humain il se précipite. Et beaucoup d'êtres humains, ils ne voient pas loin. Ils vivent l'instant présent. Ils pensent que si un tel il est satisfait, il accepte de lui, il pense que c'est un bien pour lui. Alors que ça peut être un énorme mal. Enfin, vu que l'être humain, il a cette faiblesse, l'être humain, il est beaucoup touché par les sentiments. Certains, si un tel il n'est pas d'accord, si un tel il ne lui parle plus, certains ça les touche énormément.
Pourquoi? Parce qu'une faiblesse dans la foi. Ou illa fal mu'min, comme c'est dit le cheikh Fawzan, qui aime Allah, un amour très très fort, sa foi elle est élevée, il fera passer la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout le monde. قال رحمه الله قد تتعارض رغبتهم مع ما شرعه الله مما فيه صلاحهم عاجلا وآجلا. Si tu veux satisfaire les gens, forcément, dans un cas, dans plusieurs cas, ça contredira la satisfaction d'Allah. Parce que ce n'est pas tout le monde qui obéit à Allah. Donc tu es obligé de faire un choix. قال وهنا يتميز موقف المؤمن الصحيح الإيمان من موقف مزعزع الإيمان. Cheikh Fawzan, il a déduit de cela deux catégories par rapport à ce sujet. Al-mu'minun, les croyants qui ont une foi élevée, qui donnent de l'importance à leur religion, qui font des efforts. Et muza'za' al-iman, des croyants qui ont énormément de faiblesses et qui sont instables. Le premier cas, قال فالمؤمن يؤثر رضا الله عز وجل على رضا الناس. فيستمر مع الشرع الله لا تأخذه في الله لومة لائم فيتولاه الله بنصره لأنه قد اتقى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المؤمن qui a une foi élevée, قوي الإيمان, il fait passer la satisfaction d'Allah سبحانه وتعالى avant la satisfaction des gens. فيستمر على مع شرع الله. L'essentiel pour ce croyant, c'est de s'accrocher à la vérité, s'accrocher à sa religion. Et il ne fait pas attention aux autres. Et il ne craint personne sauf Allah. Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala yatawalla. Alors qu'au départ, l'être humain, il a peut-être cette peur. Si je dis telle chose, je vais être renvoyé de mon travail. Si je dis telle chose à mon épouse, ou si j'ai cette position, peut-être qu'elle va, elle va faire telle chose, ou elle va vouloir partir. Dans tous les domaines, tu peux citer cet exemple. Celui qui craint Allah, Allah yatawalla. Allah va t'assister. Et tu auras le dessus. Bi-idnillah azza wa jal. Pourquoi? Parce que Allah azza wa jal قال وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ. Si tu crains Allah, Allah va te donner un makhraj. C'est quoi un makhraj? C'est quand toutes les portes sont fermées en face de toi. Tu as cette impression. Si tu fais salat à l'heure. Si tu t'habilles comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en respectant sunnah. Tu ne veux pas la mixité. Tu ne veux pas les pécher. Des fois, tu vas vouloir maintenant rechercher un travail. Au départ, tu vas avoir toutes les portes fermées. Hatta Adanès, ils vont te le dire. Ils vont te dire, toi, tu ne vas jamais trouver de travail. Tu veux faire la salade à l'heure. Tu veux t'habiller comme à la sunna. Tu ne veux pas de péché. Certains, à cause de leur faiblesse, parce qu'ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, et eux-mêmes, ils ont des faiblesses. Et ils pensent que leur situation, c'est valable pour tout le monde. Fahdhar, les fréquentations, c'est très très important, ya ikhwan. Si tu crains Allah, tu verras les portes, elles s'ouvriront. Tu trouveras un travail. Tu feras la salat à l'heure, au masjid. Tu t'habilleras comme un sunni, walillahi l'hamd. Pas de péché et tu travailleras. Et tu auras un salaire comme ce musulman qui est affaibli et qui travaille dans le haram. Peut-être tu auras un salaire plus élevé. Peut-être que tu auras un salaire moins élevé. Lakin Allah, subhanahu wa ta'ala, il te mettra de la baraka. Certains, ils font des péchés. Ils pensent que c'est la solution. Certains, ils te disent, mais j'ai essayé, j'ai pas trouvé. Et il pense qu'il n'a pas le choix, alors qu'il a le choix. Il commence à travailler dans la mixité, avec des femmes. Il ne s'habille pas comme un musulman. Il ne fait pas salat à l'heure. Il gagne ce salaire. Il va gagner 2000, 3000, 4000 euros peut-être. L'enfant, il tombe malade. Il est obligé de payer. Il commence à faire des accidents, alors qu'avant, il n'en faisait pas. Il doit payer. Il commence à avoir des affaires de justice. Il commence, à la fin, les 4000 euros qu'il gagne, il vit beaucoup moins que celui qui gagne 800 000 euros dans le halal. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Aliyah, fais attention. Quand les portes elles sont fermées devant toi, ne désespère jamais, crains Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera. Mais tu veux ouvrir la porte toi-même en faisant le haram et tu forces. Tu penses que la porte elle s'est ouverte, mais tu vas droit dans le mur, akhil karim. Si tu ne crains pas Allah azza wa jalla. Ça, c'est la première catégorie, al-mu'min qawiyyu. الإيمان. La deuxième catégorie, قال الشيخ البوزان هو مزعزع الإيمان. Il a la foi, لكن il est مزعزع. المزعزع, c'est quelque chose de quelqu'un d'instable. Tellement qu'il est faible, fait il est instable. قال يؤثر رضا الناس على رضا الله. على رضا الله. Il fait passer la satisfaction des gens avant la satisfaction d'Allah. Allah سبحانه وتعالى lui a ordonné de faire salat à l'heure. Il lui a ordonné de s'habiller de telle façon, de suivre son messager.
Ouais, il n'ose pas. S'il fait salat à l'heure, les gens ils vont dire. S'il s'habille comme le professeur sallam, il s'habillait comme sahaba, il s'habillait radiyallahu anhum, il se couvre le corps, il se couvre la tête avec chéchia, avec un turban, ça dépend des endroits. Il s'habille pas comme un kafir. Les gens ils vont être réticents. Certains ils vont regarder bizarrement, certains ils vont faire des remarques. Si tu fais passer Ridwanus avant, dans ce cas, ta foi, elle est instable. Dans ce cas, remets-toi en question. Pourquoi tu n'arrives pas? Sahih, posez-vous cette question. Pourquoi dans une ville, tu vas dans une ville des fois, un frère, il arrive. Il s'habille à la sunna et il se mélange pas avec les femmes dans le travail. Alhamdulillah, il vit comme toi. Il mange, il dort, il a une maison, le Obama, il a une voiture, comme toi. Pose-toi la question, pourquoi lui, il arrive et pourquoi toi, tu n'arrives pas? Parce que tu as un problème dans la foi. Et Shaitan, il te fait croire que tu ne vas plus travailler. Tu ne vas plus manger, tu ne vas plus pouvoir vivre si tu ne fais pas tel péché, si tu ne fais pas ce que les gens y veulent. Tout ça vient de Shaitan. Qala rahimahullah, fayuhaqqiq lahum matlubahum. Wa in kana mukhalifan lima shara'ahu Allah wa hadha fil haqiqa qad khafa an-nas wa lam yakhaf illah. C'est pour ça que Cheikh Al-Islam il a cité ce athar dans Kitab Tawhid, le chapitre de la peur. La peur d'Allah, la crainte d'Allah, c'est une adoration. Si tu ne fais pas attention, peut-être que ta peur envers Allah, elle va faiblir et tu vas avoir peur des créatures. Celui qui n'arrive pas à faire salat à l'heure, qui n'arrive pas à s'habiller comme un musulman, qui n'arrive pas à s'écarter de certains péchés parce que les gens ils vont dire, Adam, il a un problème dans le tawhid. C'est un croyant, c'est un croyant, c'est un croyant. Lakin muzazza al-iman, comme a dit Cheikh Fawzan, il est instable et sa foi, elle est en danger. Et sa foi, elle est faible. Qu'est-ce que cet être humain, il va t'enlever? Madeleine, tu t'habilles comme un musulman. Pour l'homme, le qamis, etc. Est-ce que tu penses que si tu t'habilles comme un musulman, Allah il ne va plus te donner ta subsistance? C'est grave, ya ikhwan. Peut-être que cet être humain, ce patron, il déteste l'islam. Peut-être. Il n'accepte pas cela. On peut dire que tu travailles dans cette entreprise et tu as appris cela et tu veux t'habiller comme un musulman. Donc tu as deux choix. Emma, tu oses pas et tu fais passer la satisfaction de ce patron avant celle d'Allah Azzawajal, tu es en danger. Donc tu vas rester habillé comme cela pour pas que les gens y parlent. Ça ne veut pas dire que tu vas travailler. Peut-être que demain, tu vas dire une chose, tu vas faire une chose, ce patron il te renvoie. Andorou. Deuxième cas, tu t'habilles à la sunna et tu viens au travail. Ce patron, peut-être qu'il ne va pas accepter. Il va te renvoyer, Allah il va te donner un travail meilleur, en fait c'est un bien pour toi. Peut-être que ce patron il va t'accepter, et ça arrive. Et Allah Azza wa Jalla, il fait ce qu'il veut. En tête, tu ne regardes pas Hadal Makhlouq. Hadal Makhlouq pour toi il est insignifiant, encore plus si c'est un ennemi de l'islam. Si c'est un musulman, tu lui montres, il veut pas, ça change rien. Ardullah wasi'a. C'est comme ça normalement qu'on doit réfléchir, ya ikhwan. Même si on fait passer les gens avant, je m'habille plus à la sunna, je fais plus salat à l'heure, je fais plus salat en jama'a, je dois faire des péchés parce que ce patron il a décidé que son entreprise elle est mixte, tu vas être un esclave de Shaitan et de Ha'oula. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour que tu sois un de ses serviteurs. Bah, fais un choix. La vie, ikhwan, c'est des choix. Celui qui veut faire aucun sacrifice, il ne fait pas de choix. Et il a toujours travaillé dans cette entreprise, bah, ouais, il s'adapte. On doit faire attention à ça. C'est qu'une entreprise, il arrive. Si je dois changer, je change. Bad al-kafara, ils n'ont aucun principe. Ils changent d'entreprise, ils changent de travail. Ouais, parce qu'il a visité tel pays, il a aimé, enfin, il veut aller vivre dans ce pays. Il abandonne tout. Il abandonne tout pour ses passions. Parce qu'il préfère le climat, il préfère la culture, il préfère la nourriture de tel pays. Il abandonne tout, il voyage. Ah, oula, c'est des kafara, ils ne meurent pas de faim. Parce que ça reste des créatures d'Allah, Allah il leur donne. Et c'est des ennemis et ils seront jugés au Qiyamah. Fa'anta, tu aimes Allah, tu aimes son messager, tu fais des efforts, tu veux faire salat à l'heure. Ce changement que tu veux faire, c'est l'illah. Et tu as peur. Tu penses que si tu délaisses, tu vas mourir de faim. Fa'na'oudou billah. Ça revient à quoi, ya ikhwan? Ça revient au tawhid. Fa'li'ada, on répète l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il a cité hada al-athar dans kitab al-tawhid. Qala Cheikh al-Fawzan, hafidahu Allah ta'ala. وهذا في الحقيقة قد خاف الناس ولم يخف الله وسينعكس عليه مراده فينقلب حامده في الناس ذاما
وَلَنْ يُغْنُوا عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. كذلك, ceux qui veulent toujours satisfaire les gens, tu ne pourras pas. Vous avez remarqué que certains, dans le domaine de l'emploi, dans tous les domaines, certains, ils essayent de satisfaire les gens. Tu prends l'exemple de certains musulmans qui sont très très faibles, ils veulent satisfaire les ennemis d'Allah. Et tellement que certains, ils sont faibles, ils veulent faire apparaître que je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis tolérant, moi, je suis sage, moi, je ne suis pas un intégriste, un radicaliste. Il essaye de se rapprocher d'eux. Du jour au lendemain, ce kafir, il l'humilie devant tout le monde. Pourquoi? Parce que ça reste un muslim, si c'est encore un muslim. Un jour, il le rabaissera. Toutes ces concessions pour qu'un ennemi d'Allah Azza wa Jalla te rabaisse. Na'oudou billah. Qala, fayanqalib hamiduhu fil nas dhamman wa lan yughnu anhu min Allah shay'a. Et tu es un croyant, si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut te châtier à cause de ce péché, qu'est-ce que cet être humain il va te donner? Est-ce qu'il va te repousser le châtiment? Il ne peut pas. Est-ce qu'il va prendre ta place pour le châtiment que tu mérites? C'est impossible. Fait, qu'est-ce que tu attends des gens? On a un problème, nous, c'est beaucoup de personnes, de croyants, les SF, ils sont trop attachés aux gens. Un tel il va dire, mais un tel si il dit, et ils sont toujours dans ça, ils se font du mal dans leur religion et dans leur vie de tous les jours. Et éduquer les enfants, c'est une musiba, on doit apprendre à éduquer nos enfants. Ton enfant, dès le matin, tu lui expliques tous les jours, crains Allah et fais des efforts, et les gens ils ne pourront rien te faire. Si tu crains Allah, tu réussiras. Parce que Allah, il gère tout. Mais si tu commences à vouloir satisfaire un tel ou un tel, tu fais des concessions dans ton din, dans ta religion, tu te feras du mal. قال رحمه الله فضر نفسه وضر من أراد نفعهم بمعصية الله. Dans ce cas, tu vas te faire du mal. Si tu veux satisfaire les gens et tu fais des péchés et tu désobéis Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas te faire du mal à toi et tu vas faire du mal aux autres. Donc tu n'auras rien gagné et tu te feras du mal ici-bas et tu risques de te faire du mal dans l'au-delà si Allah subhanahu wa ta'ala il décide de châtier cette personne. انتهى كلام شيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وقال الله عز وجل في كتابه العظيم فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين. الله سبحانه وتعالى il a ordonné à son prophète صلى الله عليه وسلم de dire le haq. الصدع بالحق, c'est de dire la vérité clairement, publiquement. واعرض عن الجاهلين, écarte-toi des ignorants. Ce verset prouve ان suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça passe avant tout. Mais les gens, c'est impossible. Ta'ammalou, même la raison, elle accepte. Tu es ordonné d'obéir à Allah azza wa jalla et de suivre son messager. Donc tu dois obéir à ton créateur, et il est unique. Et Allah, ton créateur, il t'a ordonné de suivre son messager. Donc c'est très très simple pour celui à qui Allah il a facilité. Imagine, tu veux satisfaire les gens. Il accepte que tu t'habilles de telle façon, l'autre il n'accepte pas. Lui il veut telle couleur, l'autre il veut une autre couleur. L'autre il accepte que tu dises cela, l'autre il est un peu réticent. C'est impossible. Tu te feras du mal. Alors que si tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala et tu suis son messager, alhamdulillah, ça va faire du ménage kadhalik dans ton entourage. Ceux vraiment qui t'aiment, fillah, ils vont se rapprocher. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils vont s'écarter et tu vas être firaha. Vous avez remarqué que ceux qui essayent de satisfaire les gens, ils sont toujours dans les problèmes. Ils font des efforts, du jour au lendemain, un tel il les rejette. Donc il essaye avec un autre, il est rejeté. Et ça fait énormément de mal. Mais si tes efforts, tu les mets, fais ta'atillah, et pour satisfaire Allah, Allah il va apaiser ton cœur. Tu vas être tranquille, tu vas être heureux. Celui qui est d'accord, c'est ton frère, fillah, et tu t'entraides avec lui. Celui qui n'est pas d'accord, ça ne va rien changer à ta vie. Et tu patientes jusqu'à ce que tu meurs. Et au paradis, si tu rentres au paradis, tous les croyants sont des frères. Et tout le monde fait partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté et il leur a donné sa satisfaction. Alhamdulillah. Mais ce bas monde, c'est très difficile. Celui qui ne sait pas comment agir. Al-Imam al-Dhahabi, rahmatullah alayhi, قال dans Al-Sir, As-sad'u bil-haq azim. Le verset qu'on a cité, Fasda' bima tu'mar. Donc, dire la vérité, rechercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jal seul, ne pas faire attention aux autres, c'est quelque chose de azim. Lakin, il faut faire les causes. Falihada qala rahimahullah, yihtaj ila quwwa wa ikhlas.
Deux choses tu auras besoin. Quwwa, de la force, le faible il pourra pas. Wa ikhlas, et la sincérité. Qala, fal mukhlis bila quwwa ya'jizu 'an al-qiyam bih. Tu as une catégorie de personnes, ils sont sincères, très sincères, lakin ils ont pas hadhihi al-quwwa. Il est sincère, lakin il est faible. Donc il peut pas dire al-haq et s'opposer à ceux qui refusent ce haq. Il est trop faible. Ah là, il est sincère. Et dans ce cas, sa sincérité lui sera utile. Lakin, il ne peut pas se mettre en avant et propager la vérité. Deuxième catégorie, ils ont de la force. Vous l'avez déjà vu, hein, Ba'd al-Kuffar, certains égarés, ils ont de la force. Il est capable de dire une chose, contredire tout le monde. Et il n'a pas peur. Lakin, il n'est pas sincère. Hada yukhdhal. Il va avoir une position aujourd'hui, demain, etc. Et un peu d'argent, une femme ou autre, ça lui fait perdre la tête et il abandonne. Amma man qama bihima kamilan fahuwa siddiq. Hakada qala al-Dhahabi. Celui qui est fort et qui est sincère, il va atteindre le niveau de as-siddiqoun, les véridiques. Quwa wa ikhlas. Amal et niya. Il a les deux. La bonne intention, la sincérité et la force de parler et de s'opposer aux gens, même s'ils ne sont pas d'accord. Et il fera passer la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. قَالَ فَمَنْ قَامَ بِهِمَا كَامِلًا فَهُوَ الصِّدِّيقُ وَمَنْ ضَعُفَ فَلَا أَقَلْ مِنَ التَّأَلُّمْ وَالْإِنْكَارِ بِالْقَلْبِ لَيْسَ وَرَأَ ذَلِكْ إِيمَانٌ فَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. L'imam Dhahabi, il a dit, celui qui ne peut pas, concernant le premier cas, il est sincère, mais il a des faiblesses. Enfin, dans ce cas, le minimum, c'est qu'il rejette le fou avec son cœur. Ça, c'est le minimum. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Hakada qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hadith ila dans Sahih Muslim. Donc le minimum, c'est de rejeter avec son cœur wa la quwwata illa billah. Ala kulli hal, ne te mets pas en avant si tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire la vérité. Tu ne peux pas t'opposer aux gens du faux. Fahdhar, ne te mets pas en avant. Crains Allah et fais selon tes capacités et continue les efforts. Wa kataba Sufyan al-Thawri, l'imam, il a Ibn Abi Dhi'b, un autre imam, rahimahullah, il lui a écrit un conseil. Ta'ammalou les conseils que Ha'oula il se faisait. Qala fa innaka, donc Sufyan il a dit à Ibn Abi Dhi'b, فَإِنَّكَ إِنِ اتَّقَيْتَ اللَّهِ. Si tu crains Allah, كَفَاكَ النَّاسِ. Il lui a démontré un allégeant, tu ne pourras pas les satisfaire. Crains Allah et Allah subhanahu wa ta'ala, il va te suffire. Et les gens, ne t'inquiète pas, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur et c'est lui qui gère tout. كَفَاكَ النَّاسِ. Amma tu fais l'inverse. Tu veux satisfaire tout le monde, ça t'ajaz tes voisins, tu n'arriveras pas. Le voisin d'en haut, si tu arrives à le satisfaire, celui d'en bas, il ne sera pas d'accord. Le voisin qui est à ta droite, si tu le satisfais, celui à gauche, il n'arrivera pas. Tu ne pourras pas. Faliyada, satisfait Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, yakfik. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te guider, va te faciliter. Qala, wa in ittaqaita an-nas lan yughnu 'anka min Allah shay'a. Même si tu arrives à satisfaire les gens, ils te seront d'aucune utilité عند Allah. قال رحمه الله فعليك بتقوى الله. C'est ça, رأس الأمر, et le résumé de toute notre vie, si on veut le bien, on doit faire des efforts في تقوى الله. Au lieu de perdre ton temps avec les gens, utilise هذا الوقت, c'est un bienfait, ce temps, c'est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah, dans l'obéissance d'Allah, et Allah عز وجل va t'ouvrir les portes. Celui qui est mal, Allah سبحانه وتعالى va l'écarter. Celui qui est bon, Allah سبحانه وتعالى va le rapprocher. Les portes, quand elles se ferment, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter. Les portes, elles s'ouvrent. Tu es malade, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner la patience. Tu es pauvre, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te donner, t'enrichir. Ou hakada. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tuti'il kafirin wal munafiqin, wa da' adahum wa tawakkal ala Allah, wa kafa billahi wakila. Wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Encore plus, ya ikhwan, ceux qui veulent satisfaire les ennemis d'Allah Azza wa Jal, les mécréants, les hypocrites,
Celui qui veut satisfaire Haoula, il est en danger. Parce que Haoula, ils n'accepteront de toi que si tu délaisses ta religion. Les hypocrites, ils font apparaître l'islam là qu'ils sont avec les mécréants, et les mécréants clairs. Wala tuti' al-kafirin wal munafiqin wad'a adahum wa tawakkal 'ala Allah. C'est ça la solution. Imaginez, et c'est très très grave, c'est pour ça que les frères qui vivent fi bilad al-kufr, ils sont en danger. Parce que le sujet d'aujourd'hui, le fait de ne pas satisfaire les gens, si tu es fi bilad al-muslim, bilad muslim, dans un pays musulman, tu vas être confronté à des musulmans. C'est ça la base. 99,9% des cas, tu vas avoir affaire à un musulman. Tes voisins, c'est des musulmans. Tu vas travailler avec des musulmans. Dans la rue, c'est des musulmans. Au marché, c'est des musulmans. Donc, des fois, tu vas être en face à cette situation. Je dois faire attention de ne pas satisfaire un tel si je désobéis à Allah. Lakin, c'est un croyant. Donc, le mal, il n'est pas comme celui qui vit fi bilad al-kufr. À l'école, c'est des kuffars. L'administration, c'est des kuffars. L'État, c'est des kuffars. Les voisins, pour beaucoup ou pour certains, c'est des kuffars. Tu vas au marché, c'est des kuffars. Tu vas être exposé dans beaucoup de cas à des gens qui détestent Allah, qui sont pas croyants. Et c'est difficile. C'est pour ça que les concessions que certains y font au travail, fi bilad al-kufr, c'est pas comme fi bilad al-muslimin. Bilad al-muslimin, alhamdoulilah, dans beaucoup de travail, tu es habillé sunna, tu fais salat à l'heure. Beaucoup de gens, ils sont comme toi, donc tu vas pas trouver beaucoup de problèmes concernant cela. Lakin fi bilad al-kufr, ça peut devenir très très dangereux. Léana, si tu n'oses pas faire salat et tu délaisses la salat parce que le patron c'est un ennemi de l'islam et qu'il déteste la salat, là ça commence à être très très grave. Comment tu obéis à un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu délaisses le pilier de l'islam le plus important après tawhid? On a c'est très très problématique. فلهذا قال عز وجل ولا تطع الكافرين والمنافقين. Ne leur obéis pas. Obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont te faire peur. Ils vont te dire si tu fais pas telle chose, tu risques telle chose. Crains Allah, fais les causes. Et parmi les plus grandes causes pour ne pas tomber dans ce péché très très grave, c'est de quitter cette terre de mécréance pour te mettre à l'abri, toi et tes enfants. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه كما في الرسائل رسائل ابن رجب فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة شيء من التراب على طاعة رب الأرباب. Ça c'est la conclusion. Si tu es convaincu, قوله فمن تحقق, si tu es convaincu, أن toutes les créatures, les êtres humains qui sont sur terre, tous les êtres humains c'est des créatures. Ils sont au-dessus du Torah, ils sont sur terre et eux-mêmes leur origine, c'est la terre. Adam, il a été créé à partir de la terre. Min turab. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Donc, si tu as cette conviction, on a tous ceux qui sont sur terre, eux-mêmes, leur origine, c'est la terre, enfin, pourquoi tu vas les craindre ou leur obéir en désobéissant à Rabbul Arbab, celui qui a créé toutes ces créatures? Pourquoi? Si tu es convaincu, tu ne dois pas te contredire. ثم قال رحمه الله أم كيف يرضى التراب أو كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب. ثم ابن رجب il a posé cette question: comment vouloir satisfaire une créature, son origine c'est at-turab, la terre, et désobéir, mettre en colère le créateur de l'univers. قال رحمه الله إن هذا لشيء عجاب. ابن رجب il a conclu أن هذا c'est très étonnant. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala as-salam. Fahdhar, akhi al-karim, min talbis iblis. Wa min takhwif iblis. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Iblis, il va vouloir te faire peur. La pauvreté, le travail, la santé, les hôpitaux, il va vouloir te faire peur avec tout cela pour que tu faiblisses dans ton dîn et tu te mélanges aux ennemis de l'islam et tu commences à faire des concessions. Et tu ne peux plus satisfaire Allah dans certains cas parce qu'un tel il ne va pas être d'accord et ta foi elle va diminuer et Shaitan il en profitera. Wa akthar an-nas, et ça on doit bien le comprendre, akthar an-nas ashab masalih. La plupart des gens ils se comporteront avec toi d'une façon par rapport à al-maslaha. Peut-être que des fois ils vont t'accepter parce qu'il y a un profit. Quand il n'y a plus de profit,
Ils t'élimineront et te remplaceront par quelqu'un d'autre. Et c'est très difficile, Hada. Celui qui fait des concessions, surtout dans sa religion, comment il a accepté un certain temps, comment il est rejeté du jour au lendemain, ça fait très très mal. Il a fait des concessions et ça a été d'aucune utilité. Il a désobéi et il est humilié. Hada, c'est très très dur pour le neuf. C'est pour ça que certains croyants, ce genre de situation, ça les pousse à baisser les bras. Ça leur fait tellement de mal qu'ils abandonnent. Ils finissent par abandonner certains leur religion. Hada, fais attention. Ne te place jamais dans le clan, dans la partie des ennemis d'Allah Azzawajal. Khadda'oun, rashashoun. Ils vont t'utiliser un peu dès qu'ils n'ont plus besoin de toi. Ils te jetteront. Mais si tu te mets avec le parti d'Allah Azzawajal, Hizbullah, et Hizbullah, humul muflihoun, alhamdulillah, tu patientes avec tes frères et vous vous entraidez dans la religion d'Allah Azzawajal. Wa ma ahsan ma qala al-imam al-Shafi'i rahimahullah. Il a conseillé son élève, Rabi' ibn Sulayman. فقال يا ربيع رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بما يصلحك فالزمه. Il a conseillé son élève. Et ce conseil, c'est devenu un mathal. Même les awam, ils le disent. رضا الناس غاية لا تدرك. C'est devenu un proverbe, un exemple que la plupart des arabophones ils connaissent. C'est à la base, c'est le conseil de l'imam Shafi'i pour un de ses élèves. Ya Rabi', rida an-nas ghayatun la tudrak. Il a dit à son élève, Ya Rabi', satisfaire les gens, c'est impossible. Et ne perds pas ton temps, Fihada. Tu n'arriveras jamais à les satisfaire. Thumma qala rahimahullah, fa'alayka bima yuslihuk falzamhu. Il a dit, regarde ce qui te sera profitable ici-bas et dans l'au-delà et accroche-toi. Emma, tu veux satisfaire un tel, aujourd'hui il va te dire oui, demain il te dira non. Aujourd'hui, il va te dire tu as raison, demain il te dira tu as tort. Alors qu'au début, il t'a dit tu as raison. Aujourd'hui, tu es à la sunna et tu es masha'Allah et tu as de la science. Demain, tu es un innovateur, tu es un ignorant. Alors que tu es la même personne, tu n'as pas changé. C'est lui qui change. Faliada, ne t'accroche pas aux gens. Les gens, ce n'est pas une référence. Les gens, ils mentent pour certains. Ils ne sont pas objectifs pour beaucoup. Ils ont des faiblesses, c'est la base dans l'être humain. Donc, sa tezkiya, le fait qu'ils parlent bien de toi, ça ne veut pas dire grand-chose. Le fait qu'ils te critiquent, si ce n'est pas vrai, maintenant ils te critiquent d'une chose, d'innovation, autre, ce n'est pas vrai, ça ne vaut rien, indallah. Allez, on ne doit pas s'accrocher aux gens. Ils ont dit une chose, ça nous traumatise. Ils ont parlé en bien, c'est comme si, khalas, on avait réussi. Ya ikhwan, la tartarou bihada. La tartarou bihada, surtout à notre époque. Beaucoup de choses, elles changent très très vite. Faqala, rahimahullah. فعليك بما يصلحك فالزمه فإنه لا سبيل إلى رضاهم. ثم أكد à la fin. Il a appuyé encore une fois. Il a dit choisis les choses qui te sont profitables. Crains Allah Azza wa Jal. Accroche-toi. Amma, il lui a dit encore une fois فإنه لا سبيل. Tu ne pourras jamais les satisfaire. Eh les gens. هذا الكلام كلام الإمام الشافعي أخرجه أبو نعيم في الحلية. Et il est sahih anhu. Deux paroles pour conclure. La première. L'allama Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah dans Sharh Shurut La ilaha illallah qala Al-Da'ya. On a choisi cette parole, l'imada, liana, c'est un rappel concernant un autre sujet pour celui qui veut faire Al-Da'wa. Celui qui a appris, qui fait des efforts dans la science, il doit propager ce qu'il connaît selon ses capacités. Lakin, ce conseil il est très très profitable. L'imada, liana, en tant que Da'ya, Al-Da'ya, c'est celui qui fait Da'wa, tu vas être confronté aux gens. Et les gens, ils ne sont pas tous d'accord. Tu vas être confronté à des gens qui aiment Tawhid. Tu vas être confronté à des gens qui ont des ambiguïtés dans Tawhid. Tu vas être confronté à des gens qui détestent Tawhid. Tu vas être confronté à des gens qui aiment Sunna, qui la mettent en application. Tu vas être confronté à des innovateurs, à des ignorants, à des gens qui ont des ambiguïtés. Tu vas être confronté à des gens qui sont très, très attirés par Dunya. Donc, en tant que prêcheur, tu dois bien méditer sur ce genre de conseil de nos savants. قال الداعي الذي يحاول أن يكون محبوبا لدى الناس جميعا على اختلاف طبقاتهم وميولهم وانتماءاتهم وجماعاتهم كلهم يحبونه هذا مداهن. Cette différence qu'on a citée, certains ils aiment Tawhid, certains ils le détestent, certains ils ont des ambiguïtés, certains ils aiment le bid'a, certains. Si tu veux satisfaire tout cela et tu veux que tout le monde soit d'accord avec toi, tu n'arriveras à rien. Bal hada c'est min al-mudahana. Al-mudahana c'est le fait de faire des concessions. Vouloir rassembler tout le monde en faisant des concessions dans son din.
أي vouloir satisfaire les gens. قال الداعي الذي يحاول أن يرضي الناس جميعا فلا أحد يغضب عليه كل أحد يقول فلان عادل ليس بمشاغب وكل الاتجاهات راضية عن هذا الشخص هذا مداهن منافق. محمد أمان الجامي رحمة الله عليه العلامة il a dit أن celui qui veut satisfaire tout le monde, toutes les catégories de la société, innovateurs, croyants, mécréants, tout le monde, et il veut que personne se mette en colère contre lui, il veut que tout le monde l'accepte, personne ne le critique. Il a dit « Hada mudahin munafiq ». Ça, ça fait partie des caractéristiques des hypocrites. Qu'est-ce qu'ils ont fait les hypocrites, Matalan, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Ils ont voulu que les croyants les acceptent et ils ne se sont jamais mis à dos les mécréants. Ça, c'est très très grave. Si tu veux manger partout, profiter partout, tu n'auras aucun principe et tu te feras du mal. Le mu'min, il doit faire des sacrifices. Le bid'a, c'est le bid'a, le shirk, c'est le shirk, le kufr, c'est le kufr. La mécréance, c'est la mécréance, l'innovation, c'est l'innovation. Les péchés, c'est des péchés. Et la vérité, c'est la vérité. Et bien sûr, la hikma, ça ne veut pas dire qu'on se met volontairement les gens à dos, on les dure. Là, on doit faire attention à le mudahana. Certains, tu as de la sagesse, tu montres calmement, ils n'acceptent pas. Fais attention de ne pas dépasser les limites et vouloir le satisfaire en disant ce qu'il veut entendre. Ihdhar. Ça, ça fait partie de nifar, ça, c'est une des caractéristiques des hypocrites. قال رحمه الله ولا شك في ذلك إذ لا يمكن كما يقول الشافعي. Et il a cité la parole de lui-même, Shafi'i, qu'on a cité. رِضَ النَّاسِ غَيَةٌ لَا تُدْرَكُ. Vouloir satisfaire les gens, c'est impossible. قَالَ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ الدَّعِيَ عَلَى بَالِهِ هَذَا الْمَعْنَى عِنْدَمَا يَنْزِلَ الْمَيْدَانِ لِلدَّعْوَةِ. Thomas Cheikh Mohamed, rahimahullah, il a conclu, celui qui veut faire da'wah, il doit se rappeler de cette faïda de lui-même Shafi'i. Tu veux parler, tu veux enseigner, donc que tu le veuilles ou non, tu seras mis en avant. Fais attention de ne pas tomber dans l'insouciance. Et le premier qui te critique, ça te terrorise et tu baisses les bras. Le premier qui n'est pas d'accord, ça te déstabilise. Al-Haq, suis Al-Haq, accroche-toi. Et les gens, c'est pas à toi de les guider, de les égarer. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال ومن لا يستطيع هذا فليجلس في بيته. Ça, c'est une nasiha jamila. Celui qui ne peut pas, vous rappelez de la parole de l'imam Dahabi, Al-Qawi et Al-Mukhlis. Celui qui ne peut pas, il sent qu'il a des faiblesses et il n'a pas cette force. Ya akhi, comme a dit Cheikh Mohamed Aman, فليجلس في بيته. Reste chez toi, occupe-toi de tes proches, enseigne à tes proches et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite. Amma, vouloir se mettre en avant, pour ma vouloir inventer ses propres règles, comme ils ont fait l'Ikhwan, نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه, tout ça pour satisfaire tout le monde et que personne ne s'oppose à nous, ça c'est la voie des Ikhwan et des égarés avant eux. Et ça fait partie des caractéristiques des hypocrites. انتهى كلام الشيخ محمد أمان. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى ومما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ في العقل ولا الدين. C'est impossible de satisfaire les gens. La raison, elle le prouve, est la religion, les textes du Coran et de la Sunna. Qala, par rapport à deux points. Qala ihdahuma, et pourquoi c'est impossible de satisfaire les gens. La première chose, qala, anna hadha ghayr mumkin, kama qala l'imam Shafi'i. Premier point, c'est impossible. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde, les gens, ils sont différents. Hadha matalan ilam al-tawhid. Hada il déteste tawhid, tu ne pourras pas les satisfaire. Si tu appliques tawhid, al-muwahid il va t'aimer, le mushrik il va te détester. Si tu fais du shirk, le mushrik il va t'accepter, le muwahid il va te rejeter. Donc c'est impossible. On est différent. Ça c'est la parole de lui-même Shafi'i. Le deuxième point, qala ana ma'mour. Ana ma'mour bi an anna ay nahnu. مأمور بأن نتحرى رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هكذا قال عز وجل. Nous, on doit satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on satisfait Allah subhanahu wa ta'ala, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il sera satisfait. قال وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف أحدا إلا الله. Si tu veux satisfaire Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun doute, il y en a beaucoup de gens, ils n'acceptent pas. Les mécréants, les hypocrites, les athées, les mouchriques,
Ahlul dalal, kadalik, ils ont nasib min hada. Donc tu n'arriveras pas à les satisfaire si tu satisfais Allah Azza wa Jal. Donc c'est pas possible. Qala, alayna an nakhaf Allah wa la nakhaf ahadan illa Allah. Le lien entre le sujet d'aujourd'hui et la crainte d'Allah. La peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ce sujet qu'on a étudié aujourd'hui, ça fait partie du tawhid. Qala kama qala ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Le résumé donc de ce rappel d'aujourd'hui, ya akhil karim, tu dois faire des choix. Et ces choix, ils doivent être basés sur des principes solides. Le tawhid, l'unicité d'Allah azza wa jalla, le suivi du prophète alayhi salatu salam et la voie des salaf. C'est des principes qui sont fondés sur eux. Sur هذه الأصول العظيمة, cette base, et la religion de l'islam, la sunna salafiyya, tu vas être confronté à beaucoup de choses par rapport à tes principes. Les innovateurs, ils vont te critiquer, ils vont te détester. Les kuffars, ils vont t'accuser et ils ne t'accepteront jamais. Les croyants, certains ignorants, ils vont être réticents, tu leur montres. Tes frères, à la sunna, à la salafiyya, alhamdulillah, c'est tes frères. Et tu avances. Ceux que tu peux aider, tu les aides. Ceux qui ne veulent pas écouter, écarte-toi. Apprends ta religion, avance. Hagadafi omour dunya. C'est pas on est salafi dehors, au masjid, et quand on travaille, c'est bon. Mixité, le haram, et les concessions, et on est des gens, ce que les gens ils veulent. Ça, c'est les ikhwan, ya jama'a. Le salafi, c'est un salafi au travail, dehors, chez lui, au masjid. Avec tes parents, avec ta famille, certaines choses, tu ne dois pas faire des concessions. Maintenant, les parents, ils veulent que tu te maries avec un tel et un tel pour satisfaire tes parents, tu dis oui. Alors que c'est une personne très néfaste. Imma sorcellerie, imma des bida', imma du laisser-aller. Maintenant, c'est une femme, pas de hijab. Moi, quelqu'un, c'est pas fait pour toi. Dans ce cas, tu n'as pas le droit d'accepter. C'est tes parents. Lakin, tu leur montres, j'ai des principes, je ne peux pas. Je vais me marier, je vais divorcer, ça sert à quoi? Certains, ils faiblissent via d'al-hal, et Shaitan, il leur fait croire, mais c'est les parents, l'obéissance des parents, ils faiblissent et ça fait que des problèmes. À la fin, toi, tu n'es pas satisfait, tu divorces, tes parents, ils sont très tristes, tu as fait du mal à cette femme, et à la fin, il n'y a rien du tout. Et à la fin, tu vas te remarier peut-être avec une sœur, et tu auras fait des dégâts avant. Falimada, tu ne le fais pas au départ. Rida Allah, ça passe avant Rida al-Walidain. Ta'atullah, ça passe avant Ta'atul Walidain. Fala ta'ali makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Lakin ya ikhwan bil hikma. Quand c'est les parents, bil hikma. Tu lui dis pas, maintenant, en face, la satisfaction d'Allah passe avant toi et celui qui désobéit Allah, il ne vaut rien. A'oudou billah. Là, les parents, billati yahsan, tu lui montres, anna, ta maslaha, toi, c'est la religion et tu as fait ce choix. Et tu ne changeras pas. Donc autant il t'accepte comme ça, lui-même il doit être comme ça, lui-même si c'est un croyant, il doit faire des efforts. Et nas'alullah azza wa jal at-tawfiq wa sadad. Fa hada al-athar an Aisha donc radiyallahu anha, il est très très profitable et naktafi bi hada, et on passe à la dernière partie, la présentation d'un livre, alhamdulillah rabbil alamin.